Est-ce que le son semble fonctionner? Désolé, là, je commentais dans le vide, ça a l'air, depuis le début de la période. Je n'ai jamais réalisé qu'il y avait une erreur. On reprendra à droite. Pour les Dragons, c'est Gagnon. Gagnon s'amène à toute vitesse, traverse la ligne bleue, tente de déborder à droite, belle manœuvre, mais il est attendu de pied ferme. Belle manœuvre de Dufour, avec le moulin avant là, qui se sépare d'un couvreur, mais chute. Attention à gauche. Oui, voilà, on avait vu, mais Vigneault aussi l'avait vu, avait bien anticipé cette passe. C'est repris par Zachary Gagné. Gagné à droite, revient, laisse à Talbot. Le tir de Talbot. Les tourneaux avaient conservé la rondelle. On se chamaille un petit peu après le sifflet, mais on n'ira pas plus loin. Mise en jeu à la gauche de les tourneaux, on a bougé trop vite, nous indique le juge de ligne. Tremblay contre Boisvert. Test. Test, test. Test, test. Ouais, je viens de le changer, là, je l'ai essayé.
équipe. La dernière fois, j'avais pris en photo, puis... Ouais, c'est... Là, je viens de le changer, il était pas de même. Ça doit être ça. Il était sur écouteur. Pourquoi je vais continuer? Test, test. Ouais, désolé, on a eu des petits problèmes techniques. Au moins, on avait mon collègue Yannick là pour filmer. Donc, on est en avantage numérique pour les Genois. On a eu quelques chances de marquer. J'ai pu quand même observer, même si j'essayais de faire fonctionner mon micro. Je me sentais comme à la voix. C'est finalement les Genois qui récupèrent à droite par l'entremise de Philippe Giguère. Philippe Giguère se sert de la bande pour la projeter dans le coin opposé jusqu'à Tremblay. On est de retour à 5 contre 5. Les Dragons qui sont dans leur territoire. C'est Casey, là. La longue passe en zone centrale. On retournera les Dragons dans leur territoire avec un bon échec avant soutenu. Oh, et là, il y a un gros contact. Il n'y a pas de pénalité. C'était dans la légalité. Attention, on remet devant. Les Tourneaux cherchent la rondelle. Finalement, il est venu la geler. Les Tourneaux qui est de plus en plus sollicité, là. Faudra voir si on est capable de niveler la mise pour les Genois 1-1 avant la fin de cette première période. 6-14 à faire. Mise en jeu à la gauche de les Tourneaux. C'est remporté par les Dragons. C'était Tremblay. Tremblay qui est l'auteur du but dans ce match. Un tir, ma foi, magnifique. Ouais, il y aura hors-jeu, là. La rondelle avait légèrement sorti Vigneault. A essayé de la rentrer discrètement. Mais c'est comme quand on rentre après l'heure que nos parents nous avaient donnée. Hein. Même si on se fait discret, ben, ils sont plus ratoureux que nous. Là, les Dragons sont dans leur territoire. Elle passe vive en zone centrale, qui est récupérée par l'autre brigade défensive. Dufour sur la gauche. Dufour tente de ramener devant. Attention, Bugeaud-Pelletier cherche la rondelle. On se fait insistant, mais les Tourneaux, très calme, probablement un amateur de yoga, reste serein devant son filet. Mise en jeu à nouveau en territoire offensif pour les Genois. Félix Gauthier qui est là contre Charles Boulanger. Nadeau rejette par la rampe. Ce sera Poudrette qui récupérera. Remet Gagnon sur la droite. Gagnon, on n'a pas à confondre avec Marc Gagnon du National de Québec dans la série Lance et Compte. Les Dragons sont en territoire offensif. Perte de rondelle, Gauthier a laissé à Sénéchal. Sénéchal par la rampe jusqu'à Deblois. Deblois était surveillé de près par Trudel, je crois. On se dispute la rondelle en fond de territoire. On tente de ramener devant. La pointe a donné un petit coup de bâton sur celle-ci. Là, on repousse les Dragons en zone centrale, mais ils pourront récupérer à nouveau. Attention sur la droite. On s'amène. La passe à l'intention de Boulanger. C'était bien fait. Nadeau. Nadeau transporte le disque. Laisse à Deblois sur la droite. Deux anciens coéquipiers des Lynx du pavillon Wilbert Dufour. Là, on remet derrière notre cage. C'est à l'intention de Robert. Robert qui dévie le bâton, là. On reprend notre souffle. Là. On est derrière la petite ligne rouge qui sert de ligne début. Mauvais dégagement. On a joué de chance, là. La rondelle a quand même sorti. Il y avait un bâton élevé. Il faudra faire attention de ne pas répéter des jeux mollassons de la sorte.
Les engins en zone centrale. C'est remporté par les Janois. On remet dans l'espace libre à Bugeaud-Pelletier. Tente une manœuvre. Talbot le suivait de près. Remettra à Véro. Véro, il va d'un tir. Les Tourneaux avaient la vue complètement libre. Il l'a capté facilement. Mise en jeu à la droite de Les Tourneaux. 4-9 à faire. Mise en jeu remportée par Talbot. Gay jusqu'à pas de 20. Laisse à Gay. Gay remet en fond de territoire droit. Talbot remonte. Laisse à pas de 20. Pas de 20 se cherche une ligne de tir. Voilà, c'est fait. Attention! Bel arrêt à nouveau du bouclier. Les Dragons tenteront une sortie de zone par le centre. C'est risqué, mais ça peut fonctionner. Félix Lemoine avec le disque. Laisse sur sa gauche. La tête bien haute. On essaye une passe de loin. On visait Antoine Julien. La passe était tellement longue qu'il y aura un dégagement à refuser. Mise en jeu à la gauche de Les Tourneaux. C'est Paquette qui est là. Mise en jeu remportée par les Janois. On est insistant sur le deuxième effort. Le tir très haut. Il y aura une pénalité d'appeler là, par l'officiel aux manches zébrées. Coup de bâton. On ira chercher le fautif. Ouais, c'est les Janois qui seront sur l'attaque massive. La punition à Vincent Trudel. Amel Vigneault, Tremblay, Paquette, Giguère qui sont là. Mise en jeu remportée par les Janois. À Amel. Voilà le tir d'Amel. Que c'est bien fait. À la hauteur des cercles, c'était parfait dans le haut de filet. Les Tourneaux étaient battus sur son déplacement. Là. On avait mal collé notre poteau droit. Tout est à refaire pour les Dragons. C'est 1-1 la marque. Décidément, l'avantage numérique aura son rôle à jouer, alors que les deux buts ont été inscrits très tôt dans les deux avantages numériques. Mise en jeu en zone centrale, remportée par Côté, à Sénéchal. Sénéchal à Nadeau, à Bugeaud-Pelletier. Bugeaud-Pelletier va d'une passe vive. Ça a été intercepté par le défenseur des Dragons. On remettra à Landry. Landry sur le flanc droit. Un tir passe. Récupéré par la pointe. La pointe ne donne pas de retour. La bonne nouvelle avec un score de parité, c'est qu'on a un match. Voilà. Je suis Luc Langevin, devin, illusionniste. Tremblay, le marqueur, qui est là au cercle des mises en jeu pour les Dragons. Landry est en position de tir sur réception, faudra le surveiller. C'est finalement une mise en jeu entre deux. Je ne serais capable de vous dire qui était le gagnant. Bon contact là, de Nadeau. On remet derrière à Landry. Landry se défait de son couvreur, remet derrière. Là, on est vraiment collé. Là. Il y a de l'amour dans l'air. Alors que le défenseur et l'ailier droit... On sortira finalement de cette maison de l'amour, là, si je peux prendre des termes d'occupation double. Félix Gauthier s'amène. Tente un tir. Un tir avec beaucoup d'arrogance, disons. On a essayé pratiquement de marquer de l'arrière du filet. Parfois, ça marche. Parfois, c'est un tir. On rate 100% des tirs qu'on ne prend pas. Hein. C'est ça, c'est pas moi qui le dis. C'est mon ami, Wayne Gretzky. On est en zone défensive pour les Dragons. On a un joueur qui est couché sur la rondelle. Plus de difficultés à la sortir de notre territoire. Voilà, c'est fait. Gagnon laisse à gagner. Le tir de Gagnon, c'était très haut. Mais ça a été repoussé par la grosse mitaine de Gabriel Lapointe. 1:46 à faire.
Sortie de zone par la droite. On y va d'un gros revers. On n'avait pas traversé la ligne rouge. Oui, il y aura dégagement qui est refusé. Refusé comme la majorité des offres du banquier lorsque l'émission jouait à TVA avec Julie Snyder. Mise en jeu à la droite de la pointe. C'est Boulanger qui est là pour les Dragons. Ça a été finalement remporté par Paquette. Attention dans l'enclave, là, c'était Émile Gagné, oui. Qui était disponible. Attention, on tente à nouveau de chercher Gagné. Là, on se resserre l'enclave. Tous les joueurs étaient dedans. C'est plus difficile dans ces temps-là de trouver un joueur disponible pour pouvoir marquer comme lors de notre premier but. Gagné jongle un petit peu avec le disque. Il va d'un petit lob jusqu'à Trudel. Trudel, la tête bien haute. Est allé d'une passe pour Junot, mais Junot était surveillé de près. Là, c'est Boulanger à droite. Boulanger, un joueur très talentueux. La pointe d'Evira la rondait dans le coin gauche pour son défenseur et marqueur, Gabriel Hamel, ancien des Athletics de l'ancienne Lorette, dans la ligue LHPS. Ah, c'est Hamel. Hamel laisse à trembler tout le temps du monde, a tenté de décocher, mais ça a été bloqué par un joueur devant. Attention, c'est Talbot. Talbot a tenté le tourniquet, mais les tourneaux amateurs de yoga a été capable de s'étirer et d'aller chercher la rondelle complètement à l'opposé. C'était bien fait. Et là, je parle, mais j'ai oublié de vous dire qu'il reste 28 secondes. On est dans la dernière minute de jeu. Talbot contre... C'était Marek Doucet. Mise en jeu remportée de peine et de misère par Talbot. Les mises en jeu, ce sont vraiment des guerres de tranchées. Là. Pour les centres, c'est un aspect très important. Quand on pense à des joueurs comme Manny Malhotra, Antoine Vermette et même Patrice Bergeron dans la Ligue nationale. Talbot rejette pour lui-même en fond de territoire. Ce sera Boisvert qui est arrivé en premier. Lemoine par la rampe jusqu'à Hamel. Et c'est ce qui coïncidera avec la fin de cette première période. On sera de retour pour une période entièrement commentée pour cette deuxième période. À tantôt.
Mise en jeu rapportée, là, pardonnez-moi, j'ai eu un petit problème. Petit problème de temps, là, on reprend, l'action reprend. Les Dragons dans leur territoire, c'est qui ici par la rampe? La rondelle jusqu'en zone centrale, on est à la hauteur de la ligne rouge. Paquette par la rampe jusqu'à Tremblay. Tremblay, oh, bon contact, là, il y aura ouais, pénalité. On a frappé le joueur dans le numéro. C'est quelque chose qu'on essaie de proscrire. Oui, pénalité, ce sera qu'un 2 minutes. C'est Anthony Gagnon. J'aime bien parfois prononcer les noms avec un petit accent anglais. Ça donne plus de style. Les Janois sont sur l'avantage numérique. Avantage numérique qui a déjà marqué dans ce match. Dégagement à compléter. Ça provenait de la palette du numéro 17. C'est Charles Junot. Gauthier, Félix Gauthier, ça mène, belle manœuvre. Mais sur sa deuxième manœuvre, il a échappé le disque. À nouveau Junot. Junot qui écoule du temps, bien fait. On se dispute le long de la rampe. Là. Junot est projeté sur la rampe. Deblois. On laisse à Gauthier à droite. La passe de Gauthier, ça a touché au bâton de Junot. Quel désavantage numérique pour Junot. Il est en train de devenir un spécialiste. Dégagement à droite jusqu'à Deblois. On s'installe, c'est fait. Formation, parapluie. Ouais, Gauthier à droite. Le tir de Gauthier visait le poteau droit. Ça a raté de peu. Deblois derrière le filet. Petite passe devant, Gagné. Gagné à pas de vin. Non, c'est Nadeau, pardonnez-moi. On remet Sénéchal derrière. Gauthier. Gauthier dans l'enclave a gagné, mais Gagné étant gaucher était de dos. Donc c'était difficile de tirer sans dribble. Sénéchal derrière le filet de la pointe. Faut dire qu'avec l'absence du capitaine Vincent Dupuis, il y a des joueurs comme Sénéchal qui ont dû prendre des minutes supplémentaires en avantage numérique. On a été gourmand là de la part de Sénéchal, mais on reprend. Là, c'est Guy. Guy remet à Hamel. Hamel, le tir d'Hamel. Bon tir! Il y a eu un retour. Mais les tourneaux est venu le couvrir. Talbot qui est au centre. Pour les Janois, ne pas confondre avec Maxime Talbot, le guerrier. Mise en jeu remportée, attends, par les Janois, le tir! Oh, ça a dévié, on... Je croyais bien crier le but, là. La pénalité qui prend fin. On est de retour à 5 patineurs contre 5 patineurs. Mauvaise passe, interceptée par Hamel. Hamel à Bugeaud-Pelletier qui était seul, attention! On tente de ramener devant avec, à nouveau, un tourniquet. Ouais, il y aura un dégagement refusé. À faire ici au centre Mario Tremblay d'Allemand. Côté contre Boisvert. Casey plaqué dans le coin. Il y a Giguère aussi qui est là. Bagarre à 4, là, il y a un joueur qui est au sol. Ouais, l'arbitre signale une passe avec la main. On s'est trompé de sport là. La passe avec la main, c'est plus au basket. Mise en jeu remportée par Tremblay. Ouais, belle manœuvre du défenseur Robert qui a laissé à Tremblay. Tremblay, attention! Le tir de loin, ça a touché Hamel. Tremblay. Tremblay, la passe derrière, mais Paquette avait anticipé.
Paquette laisse sur la rampe. Il est légèrement obstrué. C'était limite. On sait que les défenseurs aiment bien gêner le passage. Mais les arbitres ont semblé tolérer. Là, c'est Landry. Landry a laissé à trembler. C'est les deux joueurs qui se sont unis pour le premier but du Collège La Flèche. On laisse derrière. Attention, le défenseur prend le centre. Un bon tir. Ça a touché quelqu'un devant. C'est Poudrette là, qui est allé d'un bon tir. La rondelle vis-à-vis le banc des Janois, ça a touché quelqu'un sur le banc alors qu'il y a un joueur qui est pratiquement à la renverse. Les agents zone centrale. C'est remporté par Talbot. Sortie de zone, on a de la difficulté pour les Dragons. Bugeaud Pelletier récupère. Attention, on tente un tir. Bugeaud Pelletier était pratiquement libre. Là, on aurait pu mener au score finalement. Lucas Boisvert. Boisvert remet à Lemoine. Lemoine, belle protection de rondelle. Se sert de la baie vitrée comme Raphaël Diaz dans ses bonnes années avec le Canadien. Véro laisse derrière avec une passe renversée. Course pour la rondelle. Ouais. C'est finalement Lemoine qui arrive en premier. Mise en jeu en territoire défensif pour les Janois d'Alma. Boulanger qui est là pour les Dragons. Boulanger est chassé. Ce sera Landry, je crois. Non, c'était Gagnon qui était là, oui, pardonnez-moi. On remet Casey au point d'appui. Casey va d'un un tir-passe par la rampe. On remet en fond de territoire. C'est gagné, là. Landry. Non, c'est Boulanger, pardonnez-moi. À Casey. Casey à la hauteur des cercles. Défenseur qui s'est avancé hors de sa position. Jusqu'à Gagné. Gagné en protection de rondelle était surveillé de très, très près. Ouais, c'est Talbot, là. Longue présence à cause du dégagement refusé. C'est intercepté par Charles-Antoine Tremblay. Charles-Antoine Tremblay laisse derrière à Véro. À nouveau à Tremblay. Tremblay qui est aux prises avec deux joueurs. Attention, un ado. Le tir directement sur le joueur qui était couché au sol. En position planche. Peut-être une petite séance d'abdos improvisée là, sur la glace. La pointe rejette la rondelle à la hauteur des cercles. C'est Boulanger. Nadeau a finalement récupéré. Oh, il y a une pénalité d'appeler. Les Janois seront à nouveau sur l'avantage numérique. Attention, Deblois. Quelle manœuvre de Deblois. Wow! Ça n'a pas rentré. On cherche la rondelle et voilà. Les tourneaux ne savaient plus où donner de la tête. On cherchait la rondelle. Est-ce qu'elle était dans le fond? Est-ce qu'elle était à droite? Est-ce qu'elle était dans le gauche? Ben, la bonne nouvelle pour les Janois, c'est qu'elle était dans le fond du filet. Parce qu'on l'a poussée. C'est Nadeau, je crois, qui est allé pousser cette rondelle, mais que dire de l'effort de Tommy Deblois avant? Deblois qui s'était échappé seul par la droite. On avait débordé, on avait ramené. Ça c'est des actions qu'il faisait beaucoup dans le Juvénile D1 quand je jouais contre lui. Et à l'époque, ça me faisait moins sourire qu'aujourd'hui. 2-1 Janois, 14 minutes à faire. Il y a un gros contact, là, il n'y a pas de pénalité. On a chuté avant la mise en échec. Vigneault laisse plus haut à Bugeaud Pelletier. Dufault jongle avec le disque. Bugeaud Pelletier retourne les Dragons dans leur territoire. Julien laisse à Junot. Junot a poussé plus haut pour Robert.
Non, c'est Boisvert. Boisvert a été poussé, là. Ça aurait pu être dangereux. Hamel, il va d'une belle cuillère. Dangereuse dans son territoire, mais comme il l'a réussi. Mais on va passer à un autre appel. Et là, le tir de loin de Bugeaud-Pelletier. Qui est capté comme le ferait Kevin Pillar. Avec les Giants de San Francisco. On me signale à l'oreillette qu'il a été échangé aux Mets de New York. Mais lorsqu'il évoluait avec les Blue Jays, bon, on le sait, faisait des catchs spectaculaires. Mise en jeu remportée de manière franche par les Janois, mais on a sauté sur la rondelle libre. C'est Fréchette. Fréchette envoie de l'autre côté. Là, on échappe la rondelle. Le Moine l'avait perdue. Bagarre à 5 en fond de territoire. Le Moine, belle manœuvre. Remettra à Tremblay à Landry devant le filet. Belle manœuvre, là, les deux qui, à nouveau, sont capables de se retrouver sur la patinoire. Fréchette qui est rudoyé, ouais, par pas de vin, là, son casque protecteur est même monté. Il y aura pénalité, attention. Le tir jusqu'à la pointe, on cherche le retour. C'est finalement touché par un blanc, les Dragons seront sur l'avantage numérique. Ils auront l'occasion de niveler le pointage. Avantage numérique, il aura été profitable. Parce que Tristan Félix Tremblay, TFT, a marqué d'un beau tir. Plutôt en première période. On a bougé trop vite. Doucet aurait bougé trop vite selon le juge de ligne. Il sera chassé. C'est Gagnon qui sera là. Ouais, remporté par Gagnon d'ailleurs. Jusqu'à Casey. Mais la passe était imprécise. Les Dragons devront à nouveau se réorganiser. Doucet traverse. Semble traverser une autoroute, là, mais finalement, comme on dit, ça a été un tir de loin. La rondelle jusqu'à côté. Ouais, dégagement complété. Doucet à nouveau laisse sur sa droite à Casey. Casey, il manque de communication avec Gagne, avec Doucet là. On a remis la rondelle dans le mauvais espace libre. 1 minute à faire en cet avantage numérique. Bagarre à 4 là pour les joueurs des Janois. On veut tout simplement emprisonner la rondelle entre le patin et la bande pour gagner des secondes. Ça ira jusqu'à Letourneau qui gentiment laisse à son défenseur, c'était Junot. Fréchette cherche la rondelle, elle est entre ses patins. Un dégagement dans le coin opposé, Vigneault qui était là. Dégagement de Vigneault qui est allé jusqu'à Trudel. Attention, belle manœuvre! Un tir de Landry qui était avec la même motion de tir que Austin Matthews. Là. Trudel tire de loin, c'est haut, très haut, trop haut! 15 secondes à faire à cet avantage numérique. Peut-être le temps pour un dernier tir. Trudel laisse à Landry. Landry, le bon tir de Landry. Repoussé par la pointe. Un tir bas. Au moment où cette passe est ratée, on est de retour à 5 contre 5. Il y aura à nouveau une pénalité, là. Pour avoir fait trébucher, comme nous indique l'officiel, muni de 2 flotteurs oranges. Les Janois seront de retour sur l'attaque massive. Mise en jeu à la droite de Letourneau. C'est Félix Gauthier qui est là. Félix Gauthier porte d'ailleurs un très beau prénom. La bagarre à 5, c'est finalement un dégagement des Dragons. Sénéchal, la passe renversée qui fonctionne à Nadeau. Nadeau, la tête très haute, remasse à droite à Deblois.
De Blois coupe. Laisse derrière à Gauthier. Gauthier regarde la passe transversale. Ouais, c'est fait. J'ai dit que Félix Gauthier avait un beau prénom car je porte également le même nom. J'ai oublié de vous le dire en début de reportage. Je m'appelle Félix Benz et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Gauthier à la hauteur des cercles. Le tir, c'était haut, mais repoussé par les tournes haut, justement. Une minute huit à faire à cet avantage numérique. Mise en jeu à gauche. C'est remporté par Talbot. Jusqu'à Potvin. Potvin à Bugeaud-Pelletier. Non, c'est Gay, pardonnez-moi. Gay. Laisse à Potvin, à nouveau à Gay. Gay à la hauteur des cercles, tire. Il n'y avait pas de circulation, mais les tournois ont quand même donné un retour. Mais rapidement, il a sauté sur son retour comme un guépard qui attaque un antilope. Prise 2, même résultat, Talbot, mise en jeu remportée. Potvin prend le centre, laisse à Gay. Gay à Potvin. Potvin à Gay. Jusqu'à Hamel, la passe était imprécise dans ses patins. Talbot. Non, c'est Dufour. Dufour à Hamel. À Potvin, Potvin à Gay. Manque un petit peu de cohésion, là. C'est bien beau les passes en avantage numérique, mais il faut éventuellement trouver quelqu'un pour amorcer un tir. Potvin traverse la ligne bleue, la ligne rouge, remet à droite dans l'espace libre à Hamel. On est 6 dans le coin. On remettra à Potvin. Potvin par la rampe jusqu'à Dufour. C'est récupéré par les Dragons, attention. On tente un dégagement. On a été chanceux. Kamel n'y touche pas complètement avec sa main. La pointe laisse à Hamel. Hamel revient sur ses pas. Laisse à Talbot. Passe de Talbot. Dont Dufour ne s'attendait pas. Ça pousse les Dragons à nouveau en territoire offensif. Boulanger, mauvaise passe. Est-ce que Gay pourra s'échapper? Oui, Gay, attention. Bon repli défensif de Robert. A levé le bâton de Gay à la toute dernière minute. C'était bien fait. 7:52 à faire en cette deuxième période. Le lob en territoire défensif jusqu'à Véro. Rondelle jusqu'à la pointe. La pointe qui laisse pour Véro. Véro s'amène. Véro laisse à Giguère. Giga jusqu'à Paquette. Passe de l'autre côté à Véro. Mauvaise réception du palais. Belle coordination main-œil cependant pour se rattraper. On est à nouveau en territoire offensif. Là, Gagnon en a assez. Par la rampe. On l'envoie à l'autre bout. Il y aura dégagement refusé. Côté qui est là pour les Janois contre Boulanger. Boulanger, on me chuchote à l'oreille que c'est un gros fan de toast le matin. Aime beaucoup déjeuner avec des rôtis. On reprendra d'ailleurs pour l'équipe de Boulanger. Attention, la passe devant, il n'y avait pas preneur, mais. Et voilà! Gagnon, quel tir sans avertissement. Personne ne s'en attendait. A même fait sortir la bouteille d'eau du filet. De toute beauté. On verra ça dans les jeux de la semaine. Wow, wow, wow. En se retournant, le tir parfait. Ce sont que les habiles marqueurs qui sont capables d'effectuer des tirs de la sorte. Gagnon me fait beaucoup penser un petit peu à Alex de Brincat, des Blackhawks de Chicago.
Égalité 2-2-2 partout. On est en deuxième période. Les Janois ont 2. Les Dragons ont 2. On n'est pas encore à 2 minutes 22, mais ça aurait été les deux parfaits, bien alignés. Trudel, le revers qui sortira tout juste du territoire jusqu'à Landry. Landry voulait laisser pour Tremblay. Attention, Gauthier s'amène. Le tir à la but! L'échec avant des Janois qui vient leur donner un but. On a été insistant le long de la rampe. On est incapable de se présenter à la hauteur des cercles. Et on a battu les tourneaux d'un bon tir par-dessus la jambière. On vient un petit peu effacer le but de Gagnon, là. Ça a fouetté nos troupes. C'est 3-2 pour les Janois du Collège d'Allemand. Avec 6-21 à faire. Félix Gauthier. On s'échange là le duel des plus beaux tirs, on dirait. 5 buts, on est gâtés. Thibodeau. Sa passe qui a été interceptée par Potvin, une main de l'autre côté, oui. Là, c'est Dufour. Dufour, dégagement dans l'espace libre jusqu'à Bugeaud-Pelletier. Bugeaud-Pelletier, cependant, s'est fait barrer le chemin. Là, c'est les Dragons qui récupèrent. La rondelle sera finalement en territoire défensif pour les Dragons. On jongle un petit peu avec celle-ci. On tente une passe, mais Potvin intercepte. Bugeaud a tenté de laisser pour Paquette qui voulait faire dévier. Paquette protège bien sa rondelle avec Tremblay pour se sortir de l'embarras. Tremblay revient sur ses pas, perd l'équilibre, mais Giguère était là. Giguère a pas de vin, le tir de pas de vin, ça dévie sur un bâton. Paquette est gagné, là, se disputait une bagarre dans le coin. On remettra Giguère, Giguère tente un tir, ça dévie sur un bâton et ça touche le mauvais filet. Ce n'est pas le filet de homard, le filet de poulet, le filet de poisson, c'est le filet protecteur. Mise en jeu remportée par la formation du Collège La Flèche. On repoussera les Dragons dans leur territoire, un petit peu comme les Hobbits l'ont fait dans le Hobbit 3 avec le dragon Smaug. Nado, là, on se bagarre, la rondelle à la ligne bleue, attention, on s'amène, on tente la passe de l'autre côté. Bel arrêt de la pointe, pas le tir le plus dangereux, mais le déplacement était nécessaire. On sert de la rampe pour sortir de notre territoire, oui, c'est fait, c'est Julien. Julien qui a tenté de laisser pour Doucet. Anado, mauvais bond. La rondelle ira jusqu'à Doucet. Doucet qui est rudoyé sur la bande, là. L'arbitre fait signe de bouger. Finalement, pas de vin sortira. Non, c'est Anado. Sortira avec le disque. Bugeaud-Pelletier pousse pour Zachary Gagné. Ouais, il y a hors-jeu. À retardement, les joueurs sont obligés de quitter. Junot a été incapable de toucher à cette rondelle. Il y aura dégagement refusé. Je crois qu'il y a un temps mort qui a été appelé. Attendons de voir la confirmation.
On reprendra à la gauche de l'étourneau. Mise en jeu remportée par les Dragons. Jusqu'à Julien. Julien qui n'est pas le joueur le plus grand, mais un joueur très tenace. On tente de ramener le vent, il n'y avait personne. La rondelle ira jusqu'à Vigneault. Vigneault dévie. Oh là, les tourneaux a joué un petit peu de maladresse. Dévie d'abord le tir, la rondelle revient sur lui avec sa mitaine incapable d'y toucher. Le tir de Doucet qui était trop haut. Mise en jeu remportée par les Dragons, le tir, ça a été bloqué par Gagné. Gagné qui fait tout aujourd'hui pour respecter son nom de famille. Il veut la victoire, il veut gagner. Tire de loin. Arrêté par Julien Letourneau. Là, c'est Talbot qui est là au centre contre Tristan Félix Tremblay. C'est remporté par Tremblay. Un Tremblay qui n'évolue pas dans l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est très rare qu'on voit ça. Trudel rejette. Trudel est attendu de pied ferme par Véro. Gagné laisse derrière jusqu'à Véro. Véro là, retourne la politesse à Gagné. Gagné est capable de dégager le tir de Casey. C'est bloqué par Talbot, ça a fait mal. Un tir sur la pointe. On a été incapable de saisir le retour. Bel effort de Casey pour garder la rondelle en territoire. Gagné. Gagné un tir. Voulait saisir son propre retour. Tout le monde converge vers le filet. On tente de séparer là les rouges. On veut toujours protéger notre gardien. Hein. Les gardiens sont vulnérables. C'est pourquoi ils bénéficient de l'appui des défenseurs qui sont un petit peu comme la police de Bel Air Direct. Ils ne pardonnent pas tout, mais presque. Deux minutes 14 à faire. Contrairement à la NFL, là, il n'y aura pas de pause des deux minutes. On pourra continuer à jouer. C'est Boulanger qui est là. Mise en jeu remportée par Boulanger. Landry a tenté de tirer. Mais il n'y avait pas suffisamment de temps et d'espace pour décocher. Nadeau sur la gauche. Nadeau va d'un tir. Ça touche l'arrière du mollet de Lemoine. Les Janois toujours en possession du disque. C'est récupéré par Fréchette. Fréchette sur la gauche. Il va d'un tir, un bon tir, mais faut viser les trois poteaux rouges. Ben, du moins entre les trois poteaux rouges. Boulanger transporte le disque. Contournera le filet. Laissera derrière. La passe jusqu'à Boisvert qui était un petit peu trop sur la bande. Boisvert passe derrière son filet, devant son filet, ouais. C'est un jeu qui est risqué. Belle manœuvre de Fréchette, laisse à Landry. Landry, bon tir, voilà. La pointe capte avec sa grosse mitaine. D'ailleurs, c'est bientôt la saison des mitaines, là. Moi, j'ai changé mes pneus d'hiver cette semaine. Donc, c'est-à-dire que j'ai mis mes pneus d'été sur mes pneus d'hiver. Et c'est bientôt la saison des tuques, des foulards et des mitaines. C'était mon commentaire météo du match d'aujourd'hui. Mise en jeu remportée par les Almatois. De Blois, il va d'un dégagement. Ouais. Suite à une collision avec deux bâtons, la rondelle ira faire un heureux ou une heureuse dans les gradins. C'est Marek Doucet qui est là, la mise en jeu. Mise en jeu remportée par le Collège d'Alma à Gauthier. On écoulera la dernière minute. Bon contact
Il n'y a pas de pénalité, les joueurs des Janois. Ainsi que les entraîneurs réclament des pénalités. C'était un petit peu borderline, si je peux me permettre de parler français. Attention, la passe devant Deblois. Gauthier pourra-t-il saisir le retour? Hamel! Le tir d'Hamel! Les tourneaux conservent le disque. Et là, ouais, les joueurs n'ont pas apprécié la mise en échec de tout à l'heure. On vient dire notre manière de penser. Et si je peux me brûler, selon moi, il y avait plusieurs mots qui sont dans la Bible. Il y aura un 2 minutes. Non, il n'y a pas de pénalité. Ouais, les entraîneurs des Janois qui réclamaient un 2, peut-être un 4 minutes pour obstruction ou même pour coup à la tête. La rondelle jusqu'à Potvin. Potvin remet derrière à Tremblay. Tremblay était suivi de près. Paquette, belle manœuvre. Mais Tristan Félix Tremblay les bloque. Là, c'est Vigneault. Vigneault, un lancer frappé des poignets qui a raté la cible. Giga tente de ramener devant à nouveau à Véro. Le tir des poignets de Véro, ça rate tout juste. Pas devant, il la retournera de l'autre côté. Véro, 8 secondes à faire, peut-être le temps pour un dernier tir. Giga laisse derrière, là, les bâtons se fracassent. Et c'est ce qui coïncidera avec la fin de cette période. Un lancer frappé des poignets, mon cher Yannick. Yannick qui est mon caméraman. Comme un entre-deux. Voilà, c'était mon conseil technique. On se retrouve pour la troisième période.
Et on reprendra pour la deuxième, la troisième période de ce match, la dernière. On s'en souhaite une belle. La rondelle jusqu'à Letourneau. Letourneau ne prend pas de chance et l'immobilise. Mise en jeu à la gauche là, de Letourneau. C'est Paquette qui est là pour les Janois. C'est finalement remporté par les Dragons. Boisvert. Boisvert s'amène avec beaucoup de vitesse. Laisse à Landry. Landry la passe de l'autre côté. C'est en intention de Fréchette. Sénéchal. Bon harpon. Pousse la rondelle en dans le coin droit. Là, c'est Paquette par la rampe jusqu'à Giguère. Giguère tente de la faire dévier. Le tir de loin jusqu'à la pointe. À nouveau Giguère. Giguère a tremblé. Jusqu'à Fréchette. Fréchette, la passe sans regarder a été interceptée par Simon Sénéchal. Trudel aux prises avec Giguère. Trudel, belle manœuvre pour revenir sur lui-même. La passe est effectuée. Jusqu'à Gagnon. Gagnon qui nous a marqué un savant but tout à l'heure. Trudel. La longue passe haute de Trudel. Qui sera refusé. Il y aura mise en jeu en zone défensive pour les Dragons du Collège La Flèche. Côté qui est là contre Tristan Félix Tremblay. Mise en jeu remportée par Tremblay jusqu'à Trudel. Trudel évite l'autre numéro 10, c'était Bugeaud. Laisse à Kessie. Kessie la passe vers Gagnon. C'était pas du tout sur lui. Les Janois reprendront dans leur territoire. Véro laisse à Gay. Gay par la rampe. Gagné décide de revenir sur ses pas. Traverse la ligne rouge, tente de dégager, mais il dégage directement sur Véro. Véro lobe le disque. Trudel était là pour accueillir le lobe. Là, il y a beaucoup de jeux décousus là, en ce début de troisième période. La rondelle qui dévie jusque derrière la petite ligne rouge, oui, du filet de la pointe. Guy fait dévier. Letourneau ou Leto pour les intimes ira chercher cette rondelle. Attention, Gauthier. Ah, il y avait Gagné qui était seul là. C'est finalement récupéré par les Dragons. Dégagement du numéro 22, Thomas-Xavier Boisvert. Vignon. Vignon laisse à Deblois. Deblois par la rampe, sort la rondelle du territoire. Jusqu'à Dumas. Dumas pousse en fond de zone. Jusqu'à Vignon. Oh, ouais, il y aura une pénalité. Là, on a fait chuter Boisvert. Un peu de brasse, camarades, après le sifflet. Les joueurs se demandent probablement leur Snapchat. Avantage numérique pour les Dragons. Avec cet avantage numérique, les Dragons auront l'occasion de cracher du feu et revenir au pointage. On reprendra en zone offensive. Nous en jeu remporté par les Dragons. À Landry. Landry à Trudel, le tir, ça a bloqué ouais, par Dufault. Ça fait mal. Mais... Landry revient sur ses pas, laisse à Trudel. Trudel, son tir, c'est bloqué. Pénalité
Véro qui malmène son opposant. Véro qui en a long à dire. Je sais pas, il y aura combien de pénalités? Deux pénalités, première pour obstruction et la deuxième, donner de la bande, je crois. Et un antisportif. Il y a un temps d'arrêt qui a été demandé par les Dragons, je crois. Là, on aura un double avantage numérique pendant 1 minute 24. Et par la suite, il restera 2 minutes 36 à l'avantage numérique. Marion Véro voudra se faire racheter auprès de ses coéquipiers, advenant que les Dragons sont capables de capitaliser. Trudel a peut-être un lien avec Jeannot Trudel, vedette des Lynx de Saint-Hilaire dans Pee-Wee 3D. Boulanger remet, on tente de... Voilà! Eh oui! C'est Landry qui, à nouveau, il va d'une belle manœuvre. Il avait les pieds sur la petite ligne rouge. C'est tout simplement présenté dans le demi-cercle et a battu la pointe à sa gauche. Lorsqu'on joue avec deux joueurs en moins, c'est plus difficile de bloquer les joueurs en périphérie. Il n'avait qu'à rentrer dans l'enclave et marquer. C'est 3-3 la marque et les Dragons sont toujours en avantage numérique pour 3 minutes 45. Le temps d'arrêt de l'entraîneur aura porté fruit. Dégagement qui touche un bâton. Repris par Junot. Junot manœuvre bien. Protège sa rondelle, fait même tomber son couvreur. Junot traverse la ligne bleue. Traverse le cercle des mises en jeu. Il est rapide. Fait le tour de la zone. Comme le faisait Piqué Souben dans ses bonnes années avec le Canadien. Là. Pas soulevé de Junot. Trop soulevé. On est à la hauteur des cercles, oui. Un tir! La pointe avait vu juste. Lui qui prend chaque année son rendez-vous chez l'optométriste. Possède de bons yeux. T'es capable d'apercevoir la rondelle. Là, c'est Émile Gagné qui est là à la mise en jeu. C'est remporté par côté. Dégagement par la baie vitrée, c'est bien fait. 2,55 à faire à l'avantage numérique. Les tourneaux laissent pour Zachary Thibodeau. On aura l'occasion de prendre les devants, là. C'est une belle occasion. Julien revient sur ses pas. Gagné derrière, au point d'appui. À Poudrette. Le tir, c'était très haut. Mais la pointe avait vu se lancer. Poudrette à sa gauche. Le tir à la Ovechkin, là. Bon, tout le monde cherche la rondelle. À nouveau à Poudrette. À gagner son tir. Jusqu'à Lemoine. Lemoine. À la hauteur des cercles. Tente de revenir sur son coup droit. Là, les joueurs des Janois qui sont débordés, là. On va être sur le point d'appeler Calinette, là. Il y a un dégât dans notre zone. Poudrette laisse à Julien. Julien fait circuler la rondelle par la petite bande jaune. Jusqu'à Gagné.
Le tir de Lemoine qui manquait. L'intention était là, mais pas le réalisme. À nouveau Lemoine. Lemoine à Poudrette. Poudrette lancé bloqué, que c'est bien fait. Oui, le Charles-Antoine Tremblay qui est allé d'un spectaculaire lancé bloqué. Boulanger reprendra. Derrière son filet a failli se faire intercepter. C'était dangereux. Une minute à faire à l'avantage numérique. Boulanger. Boulanger tricote. Laisse derrière. Le tir de loin. Ouh! Un tir pesant qui a dévié. La pointe l'avait perdu de vue. Un tir qui promenait justement de la pointe. Les jeux de mots présents dans cette diffusion sont une présentation de Scrabble. Mise en jeu à la droite de la pointe. C'est remporté par la formation de la pointe. Ouais, dégagement qui est réussi. Jusqu'à Landry. Landry qui vient de marquer le but égalisateur. Landry, belle manœuvre. Laisse derrière. Bugeaud-Pelletier était là. Bon bâton actif. Fait tomber cette rondelle dans le bas de son équipe. Il y aura une mise en jeu. Reste à savoir où. Ouais. Les Dragons resteront en territoire offensif. 32 secondes à faire aux deux pénalités de Félix Véro. 13 minutes à faire dans cette troisième période. Mise en jeu remportée par les Dragons. Les Dragons qui commencent de plus en plus à cracher du feu, là. Ils portent bien leur nom. Trudel. Trudel à gauche à Boulanger. Oh! On a voulu faire un copier-coller du premier but. Mais les joueurs des Janois ont appris. Ils ont fait leur leçon. Et cette fois-ci, on a dit non. Boulanger à nouveau sur la droite. Tente de déborder. Ouais, Boulanger était accueilli par Hamel. On entend le gardien qui tape avec son gros bâton. C'est signe que la pénalité est terminée. Gagné. Attention, Giguère pourra décamper. C'est Philippe Giguère. Regarde côté, laisse à côté. Côté rate son tir. Il était seul. Ça, c'est une occasion qui pourrait venir le hanter. À l'approche de l'Halloween, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire hanter. Le tir de loin qui est capté par les tourneaux. Mise en jeu à la gauche de l'étourneau. Gauthier, Gagné et Deblois qui sont là. Jusqu'à Sénéchal. C'était une passe trop vive. Sénéchal laisse à son coéquipier et ami. Pas de vin. Pas de vin, sa passe qui était longue. Mais il n'y a pas de dégagement refusé. Gauthier est arrivé en premier. Là, c'est Deblois. Deblois tente d'éviter le plaqué. On remettra pas de vin derrière. Pas de vin. Son tir, ça a dévié. Bel arrêt de les tournois avec la jambière droite. Là, c'est Dumas. Dumas qui évite le plaqué. Ce sera repris par Gagné. On a tenté la passe longue. Mais quelle coordination mêlée de Robert qui vient annuler finalement l'échappée de Deblois. Wow! Deblois laisse à Giguère. Sénéchal le tire de loin, ça rate la cible. Tout le monde cherche la rondelle, elle est finalement derrière la cage de l'étourneau. C'est Boisvert. Boisvert, mauvaise passe. Là, Gauthier la dévira en fond de territoire. C'est récupéré par Boisvert. Doucet est à sa gauche, Lemoine à sa droite. Donc le 26, le 27 et le 28. On est concept dans nos trios, là. On tente un petit revers devant pour Doucet. Ça aurait pu fonctionner. Mais ça dévie dans le filet protecteur. On me dit que
On me dit que Marek Doucet est un gros amateur de patates douces. Lui qui porte d'ailleurs les légumes dans son nom. Mise en jeu. Remporté par les Dragons, un faible tir, mais on conserve tout de même la possession du disque. Bugeau Pelletier par la rampe. Un haut dégagement. Hamel appuie l'attaque. Un coup de bâton d'Hamel, ouais, qui était sévère. Bugeau Pelletier, là, n'est pas d'accord, alors qu'il était en échappée. Il y aura un autre avantage numérique, présenté par Elix de Vidéotron. C'est Gabriel Hamel qui sera chassé pour avoir été trop intense dans son coup de hache. Mise en jeu remportée par Doucet, justement. Jusqu'à Junot. Junot laisse derrière à Boisvert. Le tir de Boisvert très haut, mais la pointe avait vu le lancer qui provenait du point d'appui. À nouveau à Boisvert. On laisse par la rampe à nouveau à Boisvert. Plus bas, attention, la passe transversale. Junot, ça a touché Dufour qui grimace un peu, mais le prix de la victoire, c'est plus important. On laisse à Doucet, Doucet. À nouveau, Dufour qui bloque un lancé. Là, c'est côté 3, lancé bloqué. Coup sur coup, on veut payer le prix. On est prêt à payer le prix. La carte de crédit est sortie pour les lancers bloqués des Janois. Tir de loin repoussé par Gabriel Lapointe jusqu'à son homologue, le gardien Julien Letourneau. Jusqu'à Tremblay. Tremblay tente de déborder. A jonglé un petit peu avec le disque. Là, on vient l'aider. Trudel. Trudel laisse à Landry. Landry revient sur ses pas. À Trudel. Trudel, son tir de loin. C'était bien passé, mais c'était hors cible. 30 secondes à faire à l'avantage numérique. Boulanger. Boulanger. Sa passe qui est bloquée par Nadeau. Jusqu'à Boulanger. Boulanger à la hauteur des cercles. À Trudel. À Boulanger. Boulanger à nouveau à Trudel. Trudel s'en tire de loin. Ça rate la cible. Paquette en train de dégager. Mais Trudel lui bloquait l'accès. À nouveau à Trudel. À Landry. Landry à Trudel. À Boulanger. Boulanger s'en tire. À nouveau bloqué. Oh, attention là! La passe de Tremblay qui était... Pour Tremblay qui était trop vive, sinon il y avait un 3 contre 1 avec 8 minutes à faire. Attention, on tente de déborder. C'est Dumas là! Sénéchal. Sénéchal laisse sur la baie vitrée à sa droite. On est à droite, on tente un tir. C'était hors cible. On remet derrière au numéro 14, Zachary Thibodeau. La passe de Thibodeau devant qui a bien failli permettre à Dumas de marquer. Bugeau Pelletier dégage. Le gardien est sorti hasardeuse, mais sortie qui fonctionne. Lancé bloqué devant. Dumas dégage, il est appelé au banc. Pas de vin, il laisse à Sénéchal. Sénéchal la passe haute à Tremblay. Le tir dégagement de Tremblay se rendra jusqu'à Letourneau. Gagné, laisse pour Gauthier.
C'est finalement récupéré par les Janois dans leur territoire. Gauthier, belle manœuvre, fait Devy à gagner. Gagner sa main à gauche. Gagner a tenté de déborder. Voyait de Blois de l'autre côté. À Hamel. Hamel laisse à Gauthier. Gauthier, son tir. Ça a passé tout près. Gagnon, belle manœuvre. Gagnon rapide, droitier, s'amène à gauche. Tente une passe pour Marek Doucet. Bon contact là de Trudel. Trudel qui est un défenseur au caractère offensif. Appuie beaucoup l'attaque. Très utilisé en avantage numérique. Un petit peu comme Ivan Provorov avec les Flyers de Philadelphie. Bugeaud-Pelletier qui est rudoyé. 5-30 à faire. Trudel, la passe vive. À nouveau à Trudel. Passe de l'autre côté à gauche. L'arbitre signale qu'on y avait touché. C'est Émile Gagné. Sénéchal. Sénéchal à Félix Béraud. Malgré ses deux pénalités, il n'est pas cloué au banc. Trudel. Trudel par la rampe. C'est à Boulanger. Boulanger, on lui a fait sauter les patins, il n'y a pas de pénalité. Attention, le tir de Boulanger, wow! On aurait pu les prendre les devants, c'est un tir directement de l'enclave, mais la pointe avait d'autres plans. Mise en jeu à la droite de la pointe. C'est remporté finalement jusqu'à Poudrette. Poudrette à Boulanger. Boulanger qui est rudoyé par Sénéchal. Boulanger tente de sortir du coin. La passe à Poudrette. Poudrette qui a vu la rondelle sautiller sur sa palette. Le but de Poudrette là, aurait pu mettre le feu aux poudres. À 4-3, en fin de match comme ça, on aurait joué sur les talons. Jusqu'à Landry. Landry rejette en fond de territoire. A essuyé le contact. Giguère reprend. Giguère à sa gauche, à Charles-Antoine Tremblay. Dégagement. Dans le coin opposé jusqu'à Giguère. Gigui pour les intimes. Gauthier sort jusqu'à Giguère, justement. Tout le monde cherche la rondelle. Il y en a un qui l'a trouvé. Et c'est Boisvert. Boisvert s'amène. La passe jusqu'à Dumais, son tir. C'est capté par Gabriel Lapointe. Là, c'est Gauthier qui est là, qui s'amène contre Boulanger. Les enjeux remportés, le tir. C'était Thibodeau, là, ça a passé à côté du but. Hamel reprend de l'autre côté. Hamel, le tir d'Hamel s'est bloqué par Lemoine. Hamel laisse à Vigneault. Vigneault, défenseur originaire de mon coin de pays, Lévis. Remet à Hamel. Hamel, le tir. Les tourneaux avaient bien collé son poteau droit. Gagné, laisse à Deblois. Deblois tente un jeu. Il n'y avait pas beaucoup d'angle. Quand même été capable d'avoir un tir. À nouveau à Deblois. Deblois laisse à Gauthier. À Gagné, wow! Mais moi, je croyais que la passe était destinée à Gauthier. Il nous surprend toujours, ce Tommy Deblois. Pas de vin, jongle avec le disque. Et le tir hors zone qui a provoqué le hors-jeu. .246 à faire, c'est 3-3. Allez, 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 allez.
Véro. Véro traverse la ligne rouge. Il va d'un dégagement dans le coin opposé. Bugeaud-Pelletier par la rampe, remet derrière la cage de Letourneau. On avait bien anticipé, là. Bel échec avant, les F1, F2, F3 sont présents. Attention! Faudra se replier. On décampe. C'est Julien, je crois. Oh, quel arrêt de la pointe! Qui avait bien fermé ses jambières. Julien a tenté de faire son petit taquin, là, en fin de match, en marquant ce but. Belle manœuvre, belle explosivité. Il ne manquait que la finition. Bugeaud-Pelletier. Jusqu'à Trudel. Julien doit s'en vouloir là, au banc de son équipe. Il est à quelques centimètres. Voire quelques pouces de procurer la victoire. On le sait, quelques centimètres, quelques pouces, ça peut faire toute la différence. Notamment chez Subway. Une petite fin, une grosse fin, ça. Même en trio, ce n'est pas pareil. Chips ou biscuits, ce sont des questions qui reviennent couramment. Fin de la chronique culinaire, là on est de retour. Pour le dernier 1 minute 44, les Dragons sont dans leur territoire. Récupéré par Junot. Junot laisse à Gagné. Gagné qui est projeté contre la rampe par Sénéchal. Là, on décante de notre territoire. C'est Paquette qui a mis vraiment le paquet là pour sortir de sa zone. Poudrette. Le tir de Poudrette qui était... Ouais. Trop de vélocité, il y aura mise en jeu en zone offensive pour les Janois. 1 minute 8 à faire, 68 secondes. Pas une de plus. Après ça, advenant une égalité, on aura recours à la période de prolongation. Et advenant une égalité, les fusillades. Mise en jeu remportée par les Dragons. Gauthier devant. La fenduleur, mais là ça va à Amel, le tir d'Amel. C'est hors cible. On a quand même le disque gagné derrière à Vigneault. Vigneault jongle avec le disque. Il va d'un tir avec une rondelle sautillante. Ça donnera la possibilité aux Dragons de récupérer la rondelle, mais finalement Gagné avait d'autres intentions. Dégagement d'Amel qui touche au bâton qui était devant. Ça a fait un drôle de bond. Ça aurait pu, ma foi, être un but chanceux, spectaculaire et à la fois capricieux. Comme le chiffre qui est entre 22 et 24, pardon. Des petits problèmes là avec ma calculette intérieure. Côté qui est là, la mise en jeu, on entend les deux bancs qui sont bruyants, là. La mise en jeu d'une importance capitale. La rondelle sortira malheureusement du territoire. 15 secondes à faire. On la rejette en fond de territoire jusqu'à Lemoine. Lemoine par la baie vitrée. Fait la même chose. 5 secondes à faire. On regarde le tableau indicateur. Et il y aura un arrêt de jeu. Quatre secondes à faire, peut-être le temps de relancer sur réception. Boulanger est prêt. Le tir de Boisvert, oui, ça a été bloqué. Fin du temps réglementaire. On aura recours à la période de surtemps.
On est reparti pour cette période de 3 contre 3. Si vous avez faim ou soif, je vous conseille d'aller le chercher maintenant parce qu'en prolongation, ça va vite. Trudel. Trudel reprend. Laisse à Boulanger. Boulanger patiente. Revient sur ses pas. Boulanger laisse à Landry. Landry passe sous le vent Trudel. Trudel revient derrière, revient même en territoire central. Laissera à Boulanger. Boulanger rentre en territoire, essaie de couper, protège bien le disque. N'ayant pas d'option, ne voulant pas faire de revirement, il préfère conserver la rondelle. Mais c'est ça, ça peut être dangereux. Ah, oh, il y a même une pénalité d'appeler, là. On a jugé que le contact était trop sévère sur Boulanger. De ma perspective, je ne l'ai pas vu. Mais je crois que c'était dans le numéro, dans le dos. Junot tente de couper devant. Jusqu'à Boulanger, mais là, le filet qui sort de ses amarres cause l'arrêt de jeu. Les Dragons joueront en avantage numérique. Ils auront l'occasion de marquer du même coup. Avoir un retour en autobus moins long. Les Dragons sont en avantage numérique. C'est remporté par les Dragons. Poudrette. Poudrette laisse à gagner. Poudrette. Poudrette à gagner. Le tir de gagner sur réception, c'était hors cible. Poudrette. Poudrette la feinte. A peut-être tenté de trop se rapprocher, là. Gagner. Le tir de gagner est bloqué. En tombant, il réussit à la donner à Poudrette. À nouveau à gagner. Le tir de gagner, c'est bloqué devant par Véro. À nouveau à Poudrette. Poudrette à Junot. Junot derrière le filet. Jusqu'à gagner. À Junot. Junot, il va d'un tir. Oui, c'est bloqué. Attention, la rondelle est toujours en circulation. Doucet, Marek Doucet. À Poudrette. Poudrette à Doucet. On a tenté de compléter un jeu, mais la pointe avait bien suivi. À nouveau jusqu'à Poudrette, 50 secondes à faire. Poudrette. Et voilà, le but! Junot qui dévie habilement le disque. Les Dragons qui sauveront dans le parc des Laurentides avec la victoire. La patience qui a été récompensée. Junot qui dévie habilement le disque. La marque finale ici au centre Mario Tremblay d'Alma. 4 à 3. En faveur des Dragons du Collège La Flèche. Merci de nous avoir écoutés. On se dit à la prochaine. À mon nom personnel, Félix Benz. Et au nom de mon caméraman, Yannick Boudreau à Gogo. Je vous souhaite un beau dimanche.